Bonjour Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du problème des protestants, du problème du protestantisme et des différents courants qu'il existe dans le christianisme entre l'Église catholique et les protestants. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle un protestant au sens large? Parce qu'il y a différents groupes. Très différents les uns des autres. Alors, effectivement, le terme protestant, il a un sens qui est assez large. En général, on appelle vulgairement un protestant tous ceux qui ne sont ni catholiques ni orthodoxes. Donc, je rappelle, parmi les chrétiens, il y a les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Et on peut dire que les protestants sont voilà, tous ceux qui n'adhèrent ni au catholicisme ni à l'orthodoxie. Mais traditionnellement, historiquement, les protestants, ce sont ceux qui adhèrent à la Réforme et notamment aux cinq solés. Donc, au moment de la Réforme, avec Luther, Calvin, tout ça, Qui a eu lieu au début du XVIe qui a siècle. lieu au XVIe siècle, évidemment, il y a eu cinq solés qui ont été développés, et donc c'est sola gratia, solus Christus, sola fide, sola gloria Deo, et sola scriptura. Et donc ces Alors, cinq points caractéristiques, ce qui veut dire seulement le Christ, seulement le Christ, seulement la grâce, seulement la gloire de Dieu, seulement l'Écriture et seule la foi. et la foi seule. Voilà, Voilà. exactement. Donc c'est pour essayer de séparer, de dire tout le reste est inutile. Alors oui, il peut y avoir ce sens exclusif au mot sola, même si bon, les protestants traditionnels vont essayer de nuancer un petit peu ces termes, mais on va dire que le protestantisme historique, il se caractérise par l'adhésion à ces cinq solés. Et donc parmi les protestants historiques, on a les luthériens, les calvinistes, qu'on peut appeler réformés aussi, et après, plus tard, on a les évangéliques qui commencent à apparaître avec les pentecôtistes, les méthodistes et plein plein de dénominations. Alors, je fais tout de suite une précision. On appelle ça les évangéliques. Parce que pas souvent on dit les évangélistes, Oui, ça mais c'est c'est bien parce faux. qu'en fait, les évangélistes, il n'y en a que quatre, qui sont saint Marc, saint Matthieu, saint Luc et saint Jean, qui sont ceux qui ont écrit les évangiles. Alors que ceux qui adhèrent à une secte, enfin un groupe, comment on dit, Dénomination. une dénomination voilà, protestante, on les appelle des évangéliques. Voilà. Et donc, ils sont nés au 19e siècle. Sous c'est ce qu'on appelle le pentecôtisme. Oui, le Et pentecôtisme, ça en date de quoi la fin ça, du 19e siècle, en quoi ça consiste? et ça consiste bah, à un renouvellement, on va dire, de l'Esprit Saint reçu au moment de la Pentecôte. Et donc, les pentecôtistes vont mettre beaucoup l'accent sur les grâces données par l'Esprit Saint et donc par les charismes. Et en cela, ils vont se distinguer un petit peu des protestants traditionnels qui, eux, ne sont pas aussi ancrés dans ce qu'on appelle voilà, les charismes. Et donc, il y a des différences doctrinales aussi. Parce que, alors, même s'il y a des points communs, hein, donc l'adhésion au sola scriptura, ça c'est ce qui est commun à tous les protestants pensent que on doit fonder la doctrine chrétienne uniquement sur l'écriture, mais après, entre eux, ils vont avoir différentes manières d'interpréter l'écriture, ce qui va fonder diverses dénominations, et on en peut en compter des centaines. Voilà. D'accord. Alors commençons immédiatement par ce premier point, le point justement du sola scriptura. Donc c'est la théorie qui est partagée aussi bien par les réformés, les luthériens, les calvinistes, depuis le XVIe siècle, que par les évangéliques aujourd'hui, qui consiste à dire que toute l'autorité, tout l'enseignement de la foi nous vient de la seule Écriture. C'est ça. Ouais. Alors en quoi c'est une erreur? Alors c'est une erreur parce que l'écriture n'enseigne pas elle-même le principe du sola scriptura. L'écriture n'enseigne pas que la seule autorité infaillible en matière de foi, c'est l'écriture elle-même. D'ailleurs, saint Paul contredit même cette thèse dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, où il nous dit: Ainsi donc, chers frères, gardez fermement les traditions que nous vous avons transmises par écrit ou par lettre. Et donc la Bible enseigne le bien fondé de la tradition. Et d'ailleurs, certaines Bibles protestantes traduisent ce mot par enseignement, mais en réalité, quand on regarde le texte grec, le mot tradition qui est utilisé, c'est le mot paradosis. Paradosis en grec, ça veut bien dire C'est tradition. transmis. Et donc la Bible, le Nouveau Testament, fait la promotion sans cesse de la saine tradition, pas les traditions humaines, évidemment. On distingue les traditions humaines et la tradition sacrée, qui est la parole orale prêchée par les apôtres et leurs successeurs qui subsistent jusqu'à nous. Donc, par opposition à la thèse protestante du sola scriptura, la foi catholique, l'enseignement de l'Église catholique, c'est qu'il existe deux sources de la révélation.
la Sainte Écriture, évidemment, mais aussi la tradition de l'Église, c'est-à-dire tout l'enseignement oral. Alors déjà, il y a un certain enseignement oral que le Christ a laissé à ses apôtres après sa résurrection, et qui n'a pas été écrit dans ce livre, dans le livre des évangiles ou des actes des apôtres. Et puis ensuite, il y a la tradition, c'est-à-dire que la façon que les chrétiens des premiers siècles dont les chrétiens des premiers siècles ont interprété les écrits de l'Évangile, est aussi importante, puisque c'est la clé d'interprétation. C'est-à-dire que le Christ ne nous a pas laissé un livre en nous disant « Maintenant, débrouillez-vous, que chacun ouvre le livre en lisant ce qu'il veut. » Mais l'enseignement de l'Église, la révélation, eh bien, d'après la foi catholique, la révélation est constituée de la Sainte Écriture et de la tradition, c'est-à-dire la façon dont l'Église a interprété ces textes au cours de l'histoire, parce que l'on croit que l'Église, c'est le Christ présent dans le monde. C'est ça, et surtout ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au 1er siècle, les premiers chrétiens n'avaient pas accès à l'Écriture, parce que le canon biblique n'a été déterminé qu'à la fin du 4e siècle, avec le Concile de Rome, le Concile d'Hippone, tout ça, mais les premiers chrétiens n'avaient pas accès à l'ensemble du canon des Écritures, des 27 livres du Nouveau Testament, par exemple. Et donc, ils devaient se fonder sur l'autorité de leurs évêques dans chaque diocèse pour avoir la bonne doctrine qui leur était transmise par oral. Donc, en fait, c'est la tradition, au début, chez les premiers chrétiens, qui primait avant que le canon de l'Écriture soit fondé. D'où l'importance de cette tradition orale, justement, de cette transmission orale de l'enseignement des apôtres. Oui, parce que, par exemple, il y avait des livres qui sont très respectables des premiers siècles, comme le pasteur d'Hermas, comme la Didaquée, etc., qui, à certains moments, dans certaines églises, dans certains lieux, ont été lus, même de façon liturgique, parce qu'ils étaient écrits par des premiers chrétiens qui avaient connu le Christ ou qui avaient connu les premiers apôtres, etc. Donc, mais ce que vous êtes en train de dire, et c'est très intéressant, c'est que il faut nécessairement une autorité qui nous donne l'écriture en nous disant ce qu'elle signifie et en nous disant qu'elle a une autorité. Parce que sinon, si c'était l'écriture elle-même qui se conférait sa propre autorité, ce serait une forme de pétition de principe. C'est ça. Et donc, ce qu'il faut bien faire remarquer, c'est que la Bible seule ne peut pas nous dire ce qui doit être dans la Bible. C'est pas grâce à la Bible seule qu'on peut savoir quel doit être le bon canon biblique. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir exactement 27 livres dans le Nouveau Testament et pas 26 ou 28? Et donc, en fait, les premiers chrétiens, ils étaient divisés sur ce canon du Nouveau Testament. Il y en a qui considéraient que le livre de l'Apocalypse ne devait pas appartenir dans l'Écriture. Pareil pour la deuxième épître de Saint-Pierre, pour 2 et 3 Jean. Il y avait ce désaccord chez les premiers chrétiens de savoir quel devait être le bon canon biblique, sauf que la Bible elle-même est incapable de répondre à cette question, parce qu'on parle de sa construction même. C'est pour ça que pour avoir le bon canon biblique, pour être certain d'avoir le bon canon biblique, il faut nécessairement une autorité extérieure qui vienne dire, voilà, grâce à l'Esprit-Saint, nous avons déterminé que ceci est le bon canon biblique et pas un autre. Et ça, ça a été fait au 4e siècle, justement. Alors, avant de revenir justement sur la légitimité de cette autorité de qui peut décider ce genre de choses, il y a un exemple qui est très frappant aussi de ce dont vous parlez, c'est la question de l'Eucharistie. Puisque lorsque saint Paul décrit dans l'Épître aux Corinthiens les paroles de l'Eucharistie, eh bien, il dit bien, lorsque vous vous réunissez et que vous célébrez ensemble l'Eucharistie, c'est-à-dire que les chrétiens célébraient déjà la messe le dimanche avant que ce ne soit écrit, que les paroles ne soient écrites dans l'Épître aux Corinthiens, puis ensuite dans les évangiles qui sont plus tardifs. Oui. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que les chrétiens célèbrent la messe non pas parce que c'est écrit dans l'Évangile « Faites ceci en mémoire de moi », mais c'est écrit dans l'Évangile parce que les premiers chrétiens depuis le Christ célèbrent l'Eucharistie. Et c'est très fort, c'est-à-dire que évidemment les évangiles et les épîtres de Saint-Paul sont des témoins qui gravent dans le marbre, sous l'inspiration de Dieu évidemment, ce que doit être l'Eucharistie, etc. Mais célébrer l'Eucharistie ne consiste pas à imiter ce qui est contenu dans le livre. Mais célébrer l'Eucharistie consiste à poursuivre ce que les chrétiens ont toujours fait, suivant l'enseignement oral
du Christ et des apôtres. Oui. D'ailleurs, même le livre de la Didaché, qui date du 1er siècle, parle déjà de l'Eucharistie comme étant un sacrifice et décrit la messe et la liturgie des premiers chrétiens. Et ça date du 1er siècle. Hein. Donc, ce n'est pas des inventions tardives de l'Église catholique, cette histoire d'Eucharistie. Non, non, c'est là, dès le début, dès la Didaché. Alors, on reviendra sur l'Eucharistie tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on répondra à toutes les objections que font les protestants contre les catholiques. Et donc, l'une des objections, effectivement, porte sur la question de l'Eucharistie. Mais donc, j'aimerais revenir sur cette question de l'autorité. Il faut une église, il faut que l'église nous dise quels sont les livres qui sont contenus dans la Bible, quelle est leur autorité. Mais est-ce que ça, c'est pas, on pourrait pas dire que c'est un ajout humain qui serait venu après l'enseignement du Christ? Alors, ça serait. Qui l'aurait déformé d'ailleurs. Ça serait un ajout humain que si l'église qu'avait fondée Jésus n'était pas inspirée continuellement par l'Esprit-Saint. Et or, si l'église qu'a fondée Jésus-Christ dès la Pentecôte est infailliblement protégée par l'Esprit-Saint lorsqu'elle enseigne en matière de foi et de morale, alors, quand l'Église dit, avec l'aide de l'Esprit-Saint, nous avons discerné que ceci est le bon canon biblique, c'est qu'elle dit vrai. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'Esprit-Saint aurait abandonné l'Église. Et ça, c'est pas compatible avec les promesses de Jésus qui dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc, alors, venons-en au statut de l'Église. Est-ce que le Christ a vraiment fondé une Église? Ou est-ce que l'Église, ce n'est que l'union des chrétiens et le peuple de Dieu? Alors, il y a deux dimensions à l'Église. Il y a la dimension humaine, qui est la dimension du peuple, de l'assemblée. En termes ecclésia, ça veut dire assemblée. Mais il y a aussi la dimension divine, qu'il ne faut pas oublier. L'Église est à la fois divine et humaine. Et dans sa dimension divine, l'Église, en fait, c'est l'Esprit-Saint qui inspire les membres de l'Église, les successeurs des apôtres, donc les évêques, et le pape pour enseigner quelle doit être la vraie doctrine. Et c'est dans ce sens-là que l'Église est divinement assistée continuellement à travers les siècles. Et sans cette assistance divine, en fait, l'Église pourrait enseigner n'importe quoi à travers les siècles et on aurait des contradictions partout et on n'aurait plus de fondement solide à la foi chrétienne. Et justement, c'est ce qu'a rejeté le protestantisme et on voit qu'ils sont très divisés aujourd'hui à cause de ça. Oui, effectivement, on aura l'occasion de revenir aussi sur cette question, mais l'une des preuves principales d'un manque de fondement du protestantisme, c'est que il n'y a pas de protestants qui sont d'accord entre eux. Enfin, j'exagère un peu, mais dans le sens où il y a des centaines, peut-être des milliers même de dénominations et de groupes, et que finalement, la tendance aujourd'hui, c'est le cas, j'ai vu ça au Brésil par exemple, en fait chacun peut ouvrir son église, qui est juste une salle de réunion où on lit plus ou moins des textes de l'écriture, on chante et on loue Dieu, et on réduit le christianisme à ça. Mais alors, justement aujourd'hui, c'est un discours qu'on entend souvent, chez beaucoup, que le christianisme, ce n'est pas une doctrine, que le catholicisme, ce n'est pas une doctrine, mais que c'est la rencontre avec Jésus. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de passer par un enseignement, par l'Église, etc., si le but de la foi chrétienne, c'est de rencontrer Jésus? Le but final, on va dire, de la foi chrétienne, c'est évidemment l'union au Christ à travers la charité. La révélation chrétienne, c'est avant tout la révélation en une personne, qui est la personne du Christ. Mais on a besoin d'avoir un contenu doctrinal solide pour connaître les fondements de la foi chrétienne. On ne peut pas avoir une vraie relation avec Jésus si on ne sait pas qui est Jésus, quelle est sa nature, ses deux natures. Et donc c'est pour ça que les premiers conciles, en fait, et même le magistère de l'Église, permet de donner un fondement substantiel à la révélation pour qu'on puisse avoir une bonne idée intellectuelle de savoir qui est Jésus, quelle est son Église et qu'est-ce que la révélation que Dieu a voulu nous transmettre exactement. Et évidemment, la finalité de tout ça, c'est de s'unir à Jésus par le cœur. Mais donc les deux ne sont pas à mettre en opposition. Le christianisme est à la fois une révélation personnelle et à la fois une révélation doctrinale. Mais est-ce que la doctrine, ce ne serait pas un obstacle pour arriver jusqu'à une union personnelle avec Jésus? Ben non, parce que moi je peux très bien connaître la vraie doctrine sur la nature de Jésus, le fait qu'il a deux natures unies en une seule hypostase, etc. Et donc tout ce que disent les premiers conciles au niveau de la christologie par exemple, mais ça ne m'empêche pas du tout d'avoir une relation de cœur à cœur avec Jésus. En fait, c'est bien d'harmoniser le contenu intellectuel de la révélation et sa relation cœur à cœur. En fait, le cœur et la raison, ils doivent fonctionner ensemble. Je pense aussi qu'il y a un problème philosophique qui est à la base. C'est qu'aujourd'hui, on a une mentalité très, très individualiste, où finalement, la vérité est mise de côté. On a l'impression qu'il n'y a plus de vérité. On dit chacun sa vérité. L'important, c'est de vivre en cohérence avec soi-même, d'être heureux et d'être indifférent finalement à la vérité. C'est ce que Benoît XVI, par exemple, appelait la dictature du relativisme. Et dans cet esprit relativiste, eh bien, cet esprit relativiste a pénétré dans l'Église, dans la mentalité chrétienne, et on peut dire que finalement,
les protestantismes, c'est un peu l'individualisme où chacun se fait sa religion et se fait sa façon de parler et de connaître le Christ, qui est très individualiste, alors que la foi catholique consiste plutôt à recevoir une doctrine, c'est-à-dire une vérité enseignée depuis 2000 ans, de façon infaillible et de façon constante, sans évolution du contenu, en tout cas, sans changement des dogmes, depuis le Christ. Et être catholique consiste plutôt à être fidèle à cette tradition, dans le sens de tradere en latin, c'est-à-dire de transmettre. Et dans ce sens, le rôle du chrétien, c'est d'être fidèle à ce qui lui a été transmis et de le transmettre fidèlement aux générations suivantes. Et non pas Oui. d'inventer, non pas de faire progresser, non pas de faire évoluer le contenu doctrinal. C'est ça, parce que si on interprète l'écriture à sa guise, le problème c'est que l'écriture, elle n'est pas toujours facile à comprendre et il peut y avoir des interprétations diverses. Et donc les protestants qui se disent se fonder sur l'écriture seule pour fonder leur doctrine, bah, concrètement, on le voit entre eux, ils sont divisés. Les luthériens ne sont pas d'accord avec les calvinistes ou les baptistes sur la question du baptême des enfants, par exemple. La question de la régénération baptismale, ça divise les protestants. La question de est-ce qu'on peut perdre son salut, ça les divise aussi. Même la question de la présence réelle, en fait, et tous ces gens-là se prétendent se servir uniquement de l'écriture. Et pourtant, ils arrivent à des conclusions qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, tout simplement que l'écriture, elle n'est pas facile à interpréter. D'où la nécessité d'une autorité externe qui vienne dire oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, voilà la bonne interprétation de l'écriture, et voilà pourquoi celle-ci est erronée. Et en fait, sans cette autorité externe qui est capable de trancher le vrai du faux, en fait, on est mort. Parce que enfin, ça mène à toutes les divisions On est possibles et mort imaginables. spirituellement. On est mort spirituellement. Ouais. Alors justement, pour conclure sur cette question de l'autorité de l'écriture et de la tradition, souvent on dit qu'il y a trois religions du livre. On dit il y aurait le judaïsme, qu'il y aurait l'Ancien Testament, l'islam avec le Coran, et puis le christianisme avec la Bible. Et je pense que c'est très négatif et très nocif d'ailleurs pour la foi chrétienne, précisément parce que dans la foi chrétienne, Dieu ne s'est pas fait livre. Dieu n'a pas, comme dans l'islam, donné un livre aux hommes. Pour l'islam, c'est Dieu qui a écrit chacune des lettres du Coran. Alors que pour un chrétien, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme, il s'est révélé en Jésus-Christ. Alors bien sûr, il a parlé aussi dans l'Écriture, puisqu'il a parlé à travers les prophètes qui ont annoncé le Christ, il a parlé à travers les évangélistes qui ont écrit la vie du Christ, qui nous ont raconté la vie du Christ, il a parlé aussi de ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire que ce sont des textes inspirés, donc il n'y a pas d'erreur, et ils ont le sceau de l'autorité divine. Et puis l'Esprit Saint aussi parlé par les apôtres, et les saint Paul, etc., tous les textes qui suivent. Donc l'ensemble de la Bible, effectivement, est un livre inspiré par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Chacun des auteurs, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des styles différents, qu'il y a des façons de faire différents. Il y a les livres sapientiaux, il y a les livres historiques, il y a les livres prophétiques, voilà, il y a différents thèmes dans la Bible. Et donc, il est très important, justement, de voir la Bible, non pas comme, encore une fois, comme un livre écrit par Dieu, mais comme la source qui nécessite d'être interprété, parce que c'est un ensemble. La révélation, c'est encore une fois, et la Sainte Écriture, et la tradition qui nous donne accès à cette Sainte Écriture. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, enfin, dans la tradition, on peut dire d'une certaine manière que la Bible est écrite par Dieu au sens où elle est divinement inspirée. Mais évidemment qu'elle n'est pas dictée mot à mot par Dieu comme ce que les musulmans pensent du Coran. Et donc, tout dépend ce qu'on entend par écrit par Dieu. Dans la tradition, on parle de l'auteur humain qui coopère avec le Saint-Esprit, qui est l'auteur divin. Et donc, les deux produisent ensemble un contenu qui est parfaitement vrai et qui est infailliblement inspiré. Oui, tout sens. Alors d'ailleurs, souvent on me pose des questions sur les réseaux sociaux, des gens qui veulent se rapprocher de la foi catholique, redécouvrir soit la foi de leur baptême s'ils ont été baptisés, soit vraiment devenir chrétien. On pose la question, quelle Bible est-ce que je dois acheter pour lire? Alors, moi je réponds de façon un peu provocatrice. Commencez par lire le catéchisme. Alors évidemment, il faut lire l'Évangile pour avoir un accès à Jésus-Christ, à cette personne, puisque, comme je viens de le dire, Dieu se révèle dans la personne de Jésus-Christ. Mais je pense que ce n'est pas fructueux de commencer par lire la Bible, surtout en commençant du premier livre, le livre de la Genèse, puis l'Exode, etc. Puisque rapidement, celui qui fait ça va abandonner la lecture, puisque bon,
la Genèse et l'Exode, oui, c'est intéressant parce que toutes les histoires des patriarches, enfin d'Adam et Ève, la création, enfin des choses qu'on connaît un peu et qui sont très, très intéressantes à lire comme ça. Mais ensuite, bah, il y a tous les livres des lois, enfin les livres des Nombres, le Deutéronome, le Lévitique, enfin qui sont des livres quasiment illisibles, il faut le dire, puisque ce sont les lois du peuple juif de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, même les livres des prophètes, les livres qui sont très riches, hein, très beaux, mais il faut y avoir accès, comprendre ce qu'ils annoncent, en plus. Donc il faut lire l'Ancien Testament sous le regard du Nouveau Testament. Donc se lancer comme ça dans la lecture de la Bible, c'est pas ça la démarche d'un catholique. La démarche d'un catholique, c'est d'abord d'apprendre, de recevoir, justement par tradition, l'enseignement, donc qu'on dit de catéchisme, mais ça passe en général, enfin il faut que ça passe par une transmission orale, donc par écouter un prêtre qui prêche le dimanche à la messe, ou qui enseigne le catéchisme, ou un catéchiste qui enseigne, et puis à partir de là, effectivement, comprendre ce qui est contenu dans l'écriture à la lumière de l'enseignement de l'Église. Oui. Alors moi, je dirais que effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faut pas lire la Bible de A à Z en commençant par l'Ancien Testament, surtout quand on débute. Je pense qu'il faut d'abord commencer par lire les Évangiles et le reste du Nouveau Testament en parallèle de la lecture du catéchisme. Donc moi, si j'avais une recommandation à donner pour toute personne qui commence à se renseigner un peu sur le catholicisme, je lui conseillerais de lire un chapitre du Nouveau Testament tous les soirs en parallèle de 10 paragraphes du catéchisme. Et donc si vous faites ça, en un an, vous avez lu tout le Nouveau Testament et tout le catéchisme de l'Église catholique. Et ça, du coup, vous aurez une connaissance de la foi supérieure à 99% des catholiques. Moi, je mettrais une petite nuance encore plus pour quelqu'un vraiment qui commence. Ça dépend de son âge, de son niveau d'études, etc. Mais peut-être que se lancer même dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est quand même Un pavé. un pavé avec beaucoup de détails. C'est très complexe, très Il y a le complet, U4, il y a le etc. U4 sinon. Non, non, non. Et moi, ce que je conseille, c'est plutôt le catéchisme de Saint-Pie-X. Le catéchisme de Saint-Pie-X, c'est très simple, par questions et réponses. Je pense qu'il faut commencer par là. Déjà commencer par avoir des questions simples, des réponses simples, et pour savoir ce qu'est avoir la foi, ce qu'est être chrétien. Ensuite, qu'on développe, etc. Voilà. Je ne suis pas sûr que le U4 soit vraiment à recommander. C'était une blague. Ah, c'est une plaisanterie, oui, d'accord. Il faut préciser. Non, mais le catéchisme de Saint-Pie-X, c'est bien pour commencer parce qu'effectivement, c'est sous forme de questions-réponses très courtes et très simples à comprendre. Et après, pour ceux qui veulent approfondir, le catéchisme de Saint Jean-Paul II est vraiment très très bien au niveau du développement de l'explication des dogmes. Je conseille aussi même le catéchisme de Benoît XVI, qui est un abrégé du catéchisme de l'Église catholique, et qui a même des aspects plus philosophiques, un peu dans le style de Benoît XVI, moi, que j'apprécie beaucoup. Alors, passons maintenant à la... Revenons maintenant plutôt à cette question de l'Église. À cette question de l'Église. Est-ce que le Christ a vraiment fondé une Église? Est-ce que le Christ a vraiment fondé une société avec des chefs, avec des autorités, ou est-ce qu'il n'a pas plutôt, quand on lit l'Évangile, justement, on a l'impression que le Christ, plutôt, il s'est adressé aux foules en disant convertissez-vous, venez vers Dieu, un point, c'est tout. Alors, certes, le Christ s'est adressé aux foules, mais surtout, pendant ses 3 ans de ministère, il a fondé un groupe restreint qu'on appelle les 12, sur les 12 apôtres, et il les a enseignés pendant 3 ans, de manière particulière. Et donc, le Christ a fondé l'Église sur les 12, et au moment de la Pentecôte, il leur dit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui vous enseignera et qui vous guidera dans toute la vérité. Et donc, ça veut dire que les enseignements du Christ aux apôtres vont persévérer dans le temps, et donc c'est sur eux que l'Église a été fondée, et en fait, c'est l'Esprit Saint qui va leur donner l'accès à la vérité tout entière. Même après la Pentecôte, donc après les 3 ans du ministère du Christ. Et donc c'est sur eux que l'Église a été fondée. Et d'ailleurs, même Saint Paul le reconnaît dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3,15, il nous dit que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Et cette phrase, pour moi, elle est très très forte contre le protestantisme, parce que c'est dans le Nouveau Testament. Et voilà, Saint Paul nous dit que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Et c'est d'abord sur eux, sur les 12, que l'Église a été fondée, et Saint Paul le confirme quand il va à Jérusalem pour consulter les 12, pour voir s'ils prêchent la bonne doctrine. Il va voir le chef des apôtres, Pierre et Jacques, dans l'Épître aux Galates. Et donc, dès le début, en fait, dès les premiers chrétiens, on voit que l'Église, elle a été fondée sur les 12, et que ces 12 ont eu des successeurs. Les apôtres ont eu des successeurs, et ça, les premiers chrétiens en témoignent. Les premiers pères de l'Église du 2e siècle, juste après l'ère apostolique, nous témoignent que ces apôtres ont eu des successeurs, donc Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée.
années, tout ça, qui font la liste de tous les successeurs de Pierre et Paul. Par exemple, dans le livre « Contre les hérésies » de Saint-Irénée, eh bien, il nous fait la liste de tous les successeurs de Pierre et de Paul jusqu'à l'an 180, au moment où il écrit. Et donc, il y a vraiment cette continuité de ces successeurs des apôtres qui montrent que l'Église persévère à travers le temps. Parce que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et donc, ça serait absurde que l'Église cesse d'exister au moment de la mort des apôtres. Non, elle doit persévérer dans le temps. Il y a aussi ce qu'on appelle la confession de Saint-Pierre. Oui. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il y a cette promesse qui est faite à Pierre que ça va être sur lui que l'Église sera fondée et que il y a ce charisme d'infaillibilité qui lui est donné pour pouvoir justement enseigner la doctrine et d'être le berger des brebis. C'est ce que dit Jésus à la fin de l'évangile de Jean aussi. Sois le berger de mes brebis. Donc voilà, il y a cette hiérarchie dès le début. Jésus a fondé une hiérarchie. Mais alors, comment les protestants qui prétendent lire l'évangile et les textes du Nouveau Testament et y être fidèles, ils prétendent même être mieux fidèles que les catholiques, comment ils interprètent ces passages qui pourtant leur donnent complètement tort? Ils essayent par exemple sur le texte de Matthieu 16, 18 qui dit « Tu es Pierre, et tu es sur Pierre, je bâtirai mon église ». Certains réformateurs ont essayé de dire que en fait, ça ne serait pas sur Pierre que l'église serait fondée, mais sur la confession de foi de Pierre plutôt que ou sur le Christ plutôt que sur Pierre lui-même. Mais ça, aujourd'hui, c'est une thèse qui a été abandonnée par la quasi-totalité des exégètes, y compris les exégètes protestants, qui soutiennent bien que c'est Pierre sur qui l'Église a été fondée. Et d'ailleurs, la plupart des exégètes catholiques et protestants reconnaissent que Pierre a une autorité spéciale dans tout le Nouveau Testament. On le voit en lisant les 6 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui prêche, c'est toujours Pierre et les apôtres, Pierre et ceux qui étaient avec lui. Et donc, ceux qui étaient avec lui, ça montre que Pierre a ce statut supérieur par rapport aux apôtres. Et voilà, il suffit de lire le livre des Actes, en fait. Mais ils disent que cette autorité de Saint-Pierre ne s'est pas transmise... que ce n'est pas transmise de successeur en successeur. Et en fait, si on regarde ce que nous dit Saint-Irénée, Saint-Irénée nous dit, au contraire, Pierre, il a eu des successeurs et fait la liste des successeurs de Pierre et Paul. Donc l'un, Clète, Anaclet, Clément, tout ça, jusqu'à l'an 180 où il écrit. Et donc, historiquement, oui, c'est établi que Pierre a eu des successeurs. Donc voilà ce qu'on peut dire. D'accord. Alors, je rebondis sur un mot que vous avez utilisé, qui est l'infaillibilité du pape. Alors, on en reparlera aussi, parce que ça fait partie des objections faites par les protestants, mais j'aimerais préciser tout de suite que, très souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'infaillibilité, et croient que certains, en tout cas, disent « mais le pape est infaillible », comme si, parce qu'il était pape, toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient nécessairement vraies. C'est pas du tout ça ce que signifie l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale signifie que le pape, donc qui est successeur de Saint-Pierre, évêque de Rome, parce qu'il est évêque de Rome, et grâce à cette promesse de Jésus-Christ, a la capacité, lorsqu'il veut le faire et lorsqu'il l'affirme de son autorité pontificale, effectivement, de professer pour l'Église entière des vérités qui bénéficient de ce sceau divin de l'infaillibilité. Mais c'est très rare, c'est très rare dans le ministère du pape. Et alors le Concile Vatican précise qu'il faut des conditions très particulières. Il faut que le pape parle en tant que pape, donc en tant que chef de l'Église universelle, en matière de foi et de mœurs, avec la volonté d'obliger, donc il explicite qu'il définisse quelque chose. Et ces conditions, pour être concret, elles ont été, les deux dernières fois où elles ont été utilisées de façon évidente, c'est le pape Pie XII en 1950 pour le dogme de l'Assomption, et le pape Pie IX en 1854 pour le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, il y a des théologiens qui pensent aussi que l'infaillibilité a été utilisée plus récemment dans Evangelium Vitae par Saint Jean-Paul II lorsqu'il définit l'immoralité de l'avortement et de l'euthanasie. Et surtout, il y a un autre cas qui est très intéressant, c'est en 1994, quand Saint Jean-Paul II publie l'encyclique Ordinatio Sacerdotalis, où il dit à la fin « En vertu de ma mission de confirmer mes frères dans la foi, je déclare que l'Église n'a en aucun cas le pouvoir d'ordonner les femmes au sacerdoce et que cette position doit être
définitivement tenu. Et donc là, si on regarde bien les conditions que sont données par le Concile Vatican I dans la Constitution Pastora Aeternus, eh bien, il y a toutes les conditions réunies pour que le pape parle ex cathedra. Et donc, il y a beaucoup de théologiens du magistère qui affirment que la déclaration infaillible la plus récente du pape, elle date des années 90, 1994. Pour dire que, les femmes peuvent être ordonnées prêtres. Oui, que les femmes ne pourront jamais être ordonnées prêtres, ça c'est une question qui a été définitivement tranchée par le magistère, l'Église ne pourrait jamais revenir dessus. Tout à fait. Donc voilà, c'est lorsque le pape parle de donc c'est assez rare, c'est pas ce que dit le pape dans l'avion, par exemple, quand il répond à des journalistes en disant ça n'a aucun point magistériel, aucune autorité, parce que le pape peut avoir son magistère ordinaire dans lequel il n'est pas infaillible, il peut enseigner une doctrine, et donc là on doit soumettre notre intelligence et notre volonté, comme le dit le Concile Vatican II, à ce qu'il enseigne de manière ordinaire, mais quand il est dans l'avion et qu'il parle à des journalistes, il n'enseigne rien en tant que successeur de Pierre, et donc ça a zéro autorité. On a le droit d'être en désaccord avec le pape sur ce qu'il dit en politique, en astrophysique, en je sais pas quoi. Sur le goût des pizzas, le pape il est évidemment pas infailliblement protégé là-dessus. Il est protégé sur la foi et la morale quand il enseigne définitivement quelque chose. Et d'ailleurs, c'est très juste comme point de vue, parce que ce serait complètement absurde que Dieu, que par le fait même que quelqu'un devient un pape, eh bien, il ait une autorité absolue et il puisse faire le vrai et le faux. Ce serait complètement irrationnel et ce serait la plus grande des tyrannies. Si on concevait l'infaillibilité pontificale comme une toute puissance du pape. Donc c'est pas du tout comme ça que l'Église a été conçue par le Christ, qu'elle a agi dans les siècles. Et c'est pas de la papolatrie, parce que cette infaillibilité, elle vient pas du pape lui-même, elle vient de l'Esprit-Saint seul qui protège le pape et qui lui donne ce charisme. Mais le pape, ça vient pas de lui, ce charisme d'infaillibilité. C'est quelque chose qui lui est délégué par l'Esprit-Saint. Et donc, on n'est pas en train de faire du pape un Superman ou quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Non, c'est juste l'Esprit-Saint qui le protège. Et d'ailleurs, dans ce que vous dites, c'est très intéressant, parce qu'on voit que, aussi bien le pape que les évêques, leur mission principale, leur rôle principal, c'est de confirmer la foi des fidèles, c'est-à-dire de transmettre fidèlement ce contenu doctrinal qui leur a été légué par leurs prédécesseurs. Et malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, très souvent, les évêques ne jouent pas spécialement ce rôle, et même parfois, ils laissent libre cours à une certaine confusion doctrinale. Aujourd'hui, on peut dire que la situation dans l'Église est assez dramatique de ce point de vue-là, puisque n'importe quel prêtre, même des évêques, les évêques allemands, ou des prêtres sur TikTok, etc., disent n'importe quoi, des choses qui sont complètement contraires à l'enseignement de l'Église. Ils font leur réputation là-dessus, d'ailleurs, et leur succès. Et en fait, on attend de la part des évêques qu'ils condamnent ce qui est faux et qu'ils affirment ce qui est vrai. C'est ça le rôle principal de l'évêque, et c'est ça le fait d'être pasteur. Être pasteur, c'est pas mener le troupeau n'importe où. Être pasteur, c'est mener le troupeau vers le bercail, c'est-à-dire vers le bercail qui est Jésus-Christ, qui est l'enseignement de l'Église constant à travers les siècles. Oui, totalement d'accord. Alors, avant de passer aux objections des protestants, j'aimerais qu'on parle aussi d'un phénomène qui existe depuis une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus dans l'Église, qui est ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler la tentation œcuméniste. Parce qu'il y a une ambiguïté sur le terme d'œcuménisme, puisqu'il y a un œcuménisme qui est tout à fait légitime et tout à fait noble, qui consiste à discuter avec des gens, avec des protestants par exemple, puisque c'est notre thème aujourd'hui, ou avec des orthodoxes, avec d'autres chrétiens, pour essayer de leur montrer, comme on est en train d'essayer de le faire aujourd'hui, pour montrer ce qui ne va pas, ce qui est insuffisant, ou ce qui est incomplet dans leur vision du christianisme et de l'enseignement du Christ, et pour les mener vers la plénitude de l'enseignement, de la foi, qui est contenue uniquement dans l'Église catholique. C'est d'ailleurs, alors beaucoup disent oui, mais alors depuis le Concile Vatican II, l'œcuménisme ne consiste plus à essayer de convertir les autres. Mais l'œcuménisme consiste à dire qu'il y a différentes confessions qui seraient différents chemins vers l'unique vérité. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais tombé dans ce piège quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et je disais, je ne suis pas catholique, je me revendique juste chrétien. Et je me disais, finalement, toutes les dénominations chrétiennes ont leur part de la vérité. Et finalement, l'Église du Christ, elle est
subdivisé en trois sous-ensembles. Il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et chacun a sa part de la vérité. Et en fait, en étudiant la théologie, je me suis rendu compte à quel point cette vision de l'Église a été totalement fausse et qu'elle était aussi opposée à l'enseignement catholique. L'Église affirme et enseigne, même dans le Concile Vatican II, hein, dans le décret sur l'œcuménisme, qui s'appelle Unitatis Reintegratio au chapitre 3. Rien que le titre, c'est-à-dire la réintégration de l'unité. Voilà. Et ben, dans ce décret sur l'œcuménisme, l'Église rappelle qu'elle est la seule à avoir reçu du Christ la plénitude de la grâce et des moyens de salut. Et donc que la plénitude de la vérité se trouve uniquement au sein de l'Église catholique et que les Églises séparées ou les communautés ecclésiales séparées partagent une part de la vérité, mais qui est issue, qui vient à la base de l'Église catholique. Et le pape Pie XI dit dans son encyclique Mortalium Animos que le but de l'œcuménisme, c'est de ramener les brebis égarées à l'Église mère. Et donc, moi, je distingue le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Le bon œcuménisme, c'est vivre dans la charité fraternelle avec nos frères et sœurs protestants, séparés, voilà, dans le but de dialoguer et... pour les amener vers l'unité. Oui, la finalité de l'œcuménisme, ça doit être ça. Ça doit être leur retour à l'Église catholique. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire forcément toujours dans la contradiction et accumuler des arguments. On ne va pas avancer si on traite l'autre sans cesse d'hérétique ou quoi que ce soit. Voilà. Ça ne fait pas avancer le dialogue. Et donc, moi, je collabore tout à fait avec des protestants sur plein de choses. Donc, par exemple, sur le combat pro-vie, où ils sont très engagés aussi, sur l'existence de Dieu, la défense du christianisme, de la fiabilité des évangiles, tout ça, on peut collaborer avec les protestants, et ça n'empêche pas d'avoir des désaccords cordiaux sur les sujets liés au catholicisme. Et là, il ne faut pas tomber dans le mauvais œcuménisme, justement, où on va relativiser la vérité et dire que finalement, on a la même religion, on a la même foi, et non, on ne doit pas tomber dans ce relativisme, parce que ça, c'est vraiment ce qui est dangereux. Et d'ailleurs, Benoît XVI l'a condamné dans Dominus Jesus, qui a été publié en l'an 2000, où justement Benoît XVI et l'Église a dit non, il y a un mauvais œcuménisme qui est apparu après le Concile, qui est devenu un relativisme doctrinal, et on doit lutter à tout prix contre ce relativisme, qui n'est pas acceptable d'un point de vue catholique. Et en particulier, ce texte Dominus Jesus précise même que les confessions protestantes ne peuvent pas être appelées des églises. Oui. Parce qu'elles n'ont pas la plénitude de l'ordre, des sacrements, comme c'est le cas chez les orthodoxes, par exemple. C'est ça, donc ils n'ont pas de succession apostolique, et pour être une église à proprement parler, il faut avoir cette succession apostolique que n'ont pas les anglicans, les luthériens, les calvinistes et toutes les dénominations protestantes, en fait. Donc oui, on ne peut pas utiliser le terme église pour parler des protestants, on doit utiliser le terme communauté ecclésiale. Et alors, pour insister un peu sur ce point, parce que je pense que c'est vraiment un grand piège dans la mentalité même catholique qu'on trouve chez les catholiques aujourd'hui, on voit sans arrêt, alors, sur les réseaux sociaux, mais même dans les discours des prêtres dans les paroisses ou des fidèles à la sortie de la messe, on voit des prêtres, par exemple, qui invitent un pasteur protestant à prêcher. Pendant la semaine de l'unité des chrétiens, qui avait été fondée justement pour prier pour la conversion des non-catholiques. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, c'est devenu la foire au relativisme, où finalement, on dit chacun a son opinion, chacun a sa vision des choses, et puis finalement, notre doctrine n'est pas plus vraie que la doctrine d'un protestant. Et je pense que là-dessous, il y a vraiment un problème d'abord philosophique. C'est le père Morero, donc, qui est actuellement évêque de Lausanne-Fribourg, qui a écrit tout un ouvrage là-dessus qui est très intéressant sur les impasses du dialogue œcuméniste, en montrant qu'en fait, il y a un problème philosophique à la base, à savoir qu'il ne peut y avoir qu'une vérité. Prenons par exemple l'exemple de l'Eucharistie, parce que les protestants rejettent en général, en tout cas, le mystère de la présence réelle, de la transsubstantiation, disons pour être simple, parce que certains protestants acceptent la présence réelle, etc. Mais, très peu, les luthériens. Mais en tout cas, sur la question de la transsubstantiation, là-dessus, tout le monde est contre l'Église catholique. Quel que soit les points de vue des uns et des autres, il n'est pas possible à la fois que lorsque le prêtre dit les paroles de la consécration, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang et la divinité de Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin, et en même temps que ce ne soit pas le cas. Oui.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en Le principe de philosophie le non-contradiction, on ne principe peut de pas avoir non-contradiction. A et non A qui sont vrais simultanément. Il y a forcément Exactement. un qui a raison, un qui a tort. Et donc, on peut dialoguer charitablement sur le sujet, mais on ne peut pas se dire, bah, finalement, on a tous les deux un peu raison, parce qu'on affirme une proposition qui est absolument incompatible. Qui est tout à fait opposé, exactement. Donc soit Dieu est présent dans l'Eucharistie, soit il n'y est pas. Mais on peut pas avoir, on peut pas dire chacun a sa vision des choses. L'important c'est pas ce qu'on dit, mais l'important c'est de cheminer ensemble vers le Christ. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'il y a une vérité et le Christ est la vérité. Et donc, il faut donc que celui qui se trompe chemine effectivement vers la vérité, mais celui qui a la vérité, il faut pas que lui chemine vers l'erreur. Ça n'aurait aucun sens et ce serait aller contre le Christ lui-même qui dit je suis la voie, la vérité, la vie. Donc il est la vérité. Son enseignement transmis par l'Église, c'est la vérité. Et notre rôle de chrétien, c'est de connaître cette foi catholique, de savoir la défendre, et par amour des autres, par charité, de vouloir que tous convergent vers cette vérité. Si on aime quelqu'un, on veut qu'il ne se trompe pas. Si vous aimez votre épouse et qu'elle se trompe en quelque chose, vous essayez de la guider vers ce qui est vrai pour qu'elle soit plus déjà satisfaite intellectuellement, plus heureuse, etc. Sinon, ce ne serait pas du vrai amour. Lui dire, bon, bah, elle croit des choses fausses, mais tant pis pour elle, ce ne serait pas véritablement l'aimer. Et donc, voilà, je pense qu'il est important que tout catholique retrouve ce sens de la vérité, ce sens de cette radicalité de la vérité. J'aime bien aussi, de façon un peu provocatrice, dire la vérité est intolérante. Vérité est intolérante. C'est-à-dire que ce qui est vrai est vrai. Ce verre est posé sur cette table. Si vous me dites qu'il n'est pas là, ben vous avez tort. La vérité ne tolère pas l'erreur. La vérité ne tolère pas l'erreur. Donc il faut arrêter d'être tolérant. C'est-à-dire que la tolérance, c'est pas ça. La tolérance, c'est accepter l'erreur, d'ailleurs, Disons qu'il étymologiquement. faut être tolérant et aimant envers les personnes, c'est-à-dire les accompagner, mais on ne peut pas être tolérant vis-à-vis de l'erreur. Donc il faut bien Exactement. distinguer l'erreur et les personnes qui professent l'erreur, avec qui on doit avoir une action pastorale, charitable, et évidemment, donc distinguer les actes et les personnes, c'est quelque chose de très traditionnel, enfin, Tout à fait. en D'ailleurs, théologie. même dans le langage courant, quand on tolère quelque chose, c'est un mal que l'on aimerait supprimer, mais qu'on est obligé d'accepter par respect pour les personnes, pour pas créer plus de dégâts que les choses actuelles. Par exemple, d'ailleurs, on appelait autrefois les maisons de tolérance, c'était les maisons de prostitution, qui étaient tolérées justement, parce que, et Saint-Louis, il y a une question comme ça Je sais. qu'on avait posée à Saint-Louis, et qu'on trouve chez Saint Thomas d'Aquin aussi, en disant que même un chef chrétien, un chef d'État chrétien, doit, enfin peut, dans certains cas, tolérer le mal. Par exemple, la prostitution dans ces lieux qu'on appelait des maisons de tolérance, parce qu'en fait, s'il supprimait ces lieux, eh bien, en fait, la prostitution se répandrait un peu partout, comme enfin, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. La véritable tolérance, c'est ça, c'est de reconnaître que quelque chose est faux, quelque chose est mauvais, mais on ne peut pas immédiatement le supprimer. Donc, on va progressivement ou on accepte malheureusement tel ou tel, on tolère tel ou tel mal en vue d'un plus grand bien. Mais la vérité, la foi chrétienne est intolérante. Et moi, je trouve démoralisant de croire qu'aujourd'hui, on a l'impression, dans les médias, qu'être chrétien, c'est être tolérant. Être chrétien, c'est accepter tout, être prêt à tout accepter tout, et Parce tout que comprendre. les médias n'arrivent pas à distinguer le fait de tolérer les personnes et de tolérer l'erreur. Ils ne font pas cette distinction très importante. Et donc, rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on doit faire dans nos dialogues avec les protestants. C'est d'être un frère en Christ avec eux et en même temps essayer de les ramener à l'Église mère. Et pour conclure sur cette question, il y a même des communautés catholiques ou qui se disent catholiques qui sont à moitié protestantes. Le plus célèbre, c'est la communauté de Thésée, par exemple, où il y a des frères protestants et des frères catholiques. On va vers où? Je crois que vous avez une certaine expérience. Moi j'ai grandi dans la communauté du Chemin Neuf, donc toute mon enfance, j'ai fait des sessions et des sessions chez les jeunes au Chemin Neuf, et effectivement dans mon enfance j'ai grandi dans ce relativisme doctrinal, et justement à l'âge de 16 ans, 17 ans, je me disais mais finalement chacun a sa part de la vérité, on est tous chrétiens, je me revendiquais même plus catholique, et en fait je me suis rendu compte que après en faisant des études, intellectuellement ça tenait pas debout, et que la communauté du Chemin Neuf s'opposait aux enseignements, certains enseignements du magistère, notamment en ecclésiologie, et aussi dans la manière de vivre l'œcuménisme,
ce qui est vécu là-bas ne me semble pas compatible avec ce qui est enseigné dans Dominus Iesus, justement, du pape Benoît XVI. Il y a vraiment ce relativisme doctrinal. On n'incite pas à la conversion des protestants là-bas. On n'incite pas à la conversion de l'autre. Et ça, c'est très problématique d'un point de vue catholique. On invite plutôt même à la conversion des catholiques, à l'indifférence des catholiques envers la doctrine. C'est le. Oui, bah, y a un gros manque de formation doctrinale chez les jeunes du chemin neuf, et j'en ai fait partie, donc je critique personne qui est au chemin neuf, parce que moi-même j'en ai été victime. Et en fait, ce manque d'apport et de connaissances doctrinales, ça mène forcément au relativisme. Parce que quand on ne connaît pas ce qu'enseigne l'Église et pourquoi elle l'enseigne, logiquement, on est mené à une certaine forme de relativisme, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça c'est vrai et pourquoi ça c'est faux. Et je pense qu'on revient à ce dont on parlait il y a quelques instants, il y a quelques minutes, c'est-à-dire le fond du problème, c'est de confondre la rencontre personnelle avec le Christ et l'adhésion à une doctrine. C'est-à-dire que ceux qui remplacent, ceux qui suppriment la doctrine et l'enseignement et la vérité, l'enseignement de la vérité, sous prétexte d'une rencontre personnelle à travers des témoignages, à travers des expériences, etc., transforme la religion en quelque chose de très individuel, de très individualiste même, et de très sentimental, et oublie l'aspect doctrinal qui est le chemin vers une rencontre véritable avec le Christ. C'est ça, oui. On ne peut pas réduire la foi chrétienne à juste une expérience sensible et émotionnelle de la foi, parce que justement, cette expérience, elle ne peut pas se transmettre réellement à quelqu'un d'autre. Donc il y a besoin d'un contenu aussi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis assez impressionné dans beaucoup de façons d'évangéliser aujourd'hui, dans les congrès, dans les rencontres organisées pour les jeunes, etc., où, malheureusement, je pense que c'est un grand dommage, on favorise le témoignage par rapport à l'enseignement. Et le témoignage, bien sûr, c'est très intéressant que quelqu'un raconte tel ou tel chemin, tel ou tel parcours, parce que quelqu'un peut s'identifier et se dire, bah, moi aussi, en fait, j'ai été dans ce cas-là. Mais ce témoignage n'a de sens que s'il est accompagné, s'il est justifié, argumenté par une doctrine. Et je pense qu'il faut, dans l'évangélisation, je ne pense pas que les missionnaires qui sont partis en Amérique latine, en Papouasie, ou je ne sais pas quoi, ils sont allés raconter leur expérience personnelle de Jésus. Parce que l'expérience, on a déjà parlé, mais l'expérience individuelle, elle ne se transmet pas. Oui, elle ne prouve rien. Alors que les arguments, on peut convaincre l'autre avec des arguments. Mm. Je peux pas. C'est pas parce que les témoins de Jéhovah me disent qu'ils ressentent Dieu dans leur cœur que leur doctrine est vraie. Et donc, le sentiment seul ne suffit pas à fonder la vérité d'une doctrine. Ouais. D'ailleurs, pour conclure là-dessus, la dernière vidéo qu'on a faite sur les preuves de l'existence de Dieu, oui. Je pense qu'on a essayé d'être très rationnel. J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent aujourd'hui à regarder cette vidéo aussi, justement parce que les preuves de l'existence de Dieu. Et alors, il y a beaucoup de gens dans les commentaires. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les arguments, et certains leur répondent en disant « Moi, quand j'ai cru en Dieu, ça a changé ma vie. » Mais ce n'est pas du tout un argument qui convainc un athée. C'est-à-dire que l'athée, il dit bah, « Tant mieux pour vous, mais pourquoi voulez-vous que ce qui vous a fait vibrer, moi, ça doive me convaincre ?» Alors que dans le domaine de l'existence de Dieu, en plus qu'il y a un domaine rationnel qui est avant le domaine de la religion, puisque on est dans la philosophie, comme on l'avait expliqué dans cette vidéo, eh bien, les arguments, on peut les transmettre. On peut essayer de convaincre l'autre en disant si j'ai tort, montre-moi où est mon erreur de raisonnement, mon erreur logique. Alors que l'argument de dire moi, ça m'a changé ma vie, ça a ouvert mon cœur, ça m'a fait. C'est bien gentil, c'est très joli, mais c'est pas du tout convaincant. Donc, c'est pas du tout un argument d'évangélisation. Alors, passons maintenant à la question des objections. Enfin, rapidement, la plupart des objections faites par les protestants contre les catholiques. Et puis, essayons d'y répondre progressivement. Alors, j'ai fait une petite liste des objections classiques. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Premièrement, l'Eucharistie et le sacerdoce. On n'en a pas parlé, mais on peut dire que, assez typiquement, l'Eucharistie et le sacerdoce sont les points sur lesquels Luther, d'ailleurs, a commencé la réforme. Il a nié la doctrine de la transsubstantiation énoncée par l'Église dans différents conciles. Et puis, il a rejeté le sacerdoce, surtout. On peut même peut-être dire que c'est là où la crise existentielle de Luther s'est réalisée, dans le rejet de son propre sacerdoce. Et il nie le fait que les hommes puissent être ordonnés
pour confectionner l'Eucharistie et donner les sacrements qui donnent de façon efficace la grâce. Alors, je commence peut-être par l'Eucharistie. Oui. Alors, l'Eucharistie, la position catholique, elle consiste à dire que au moment de la consécration, le pain ne cesse d'être du pain et sa substance est intégralement remplacée par la substance du Christ. Même si les accidents, donc c'est-à-dire la Apparence forme, les extérieure, apparences, oui. les apparences extérieures demeurent inchangées. Et donc c'est ce que l'Église a appelé la transsubstantiation. Et il faut savoir que la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, elle est présente dès les premiers siècles. C'est-à-dire que les premiers chrétiens croyaient universellement à la présence réelle, et ça on peut le voir donc non seulement dans les écrits du Nouveau Testament, hein, mais donc dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, mais aussi dans le livre de la Didaquée qui parle de la messe comme étant un sacrifice et qui parle bien de l'Eucharistie, de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et encore plus fort avec Saint Ignace d'Antioche qui en l'an 107, Saint Ignace dit bien que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Il dit ça dans sa lettre aux Smyrniotes. Et donc l'an 107, c'est quand même super tôt. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait personnellement les apôtres. Là, on est juste après la mort des apôtres. Et c'est vraiment pas loin dans l'histoire après. Donc les premiers chrétiens croyaient à la présence réelle et ça n'a pas été remis en question. Jusqu'à Béranger de Tours, qui à un moment au XIIe siècle a remis un petit peu ça en question, mais sinon tout le monde y croyait jusqu'à la Réforme, où là, d'ailleurs, même Luther croyait à la présence réelle, même si lui il parlait de consubstantiation et pas de transsubstantiation, donc des différences un petit peu mineures, mais il croyait quand même à la présence réelle, et c'est que à partir de Zwingli, qui est un des réformateurs aussi, qui s'est mis à croire à une présence purement symbolique. Et Calvin croyait à une présence spirituelle, mais pas à une présence substantielle. Mais donc, Oui, est-ce que... que ce serait la croyance des chrétiens présents au moment de la scène qui rendrait présent le Christ dans l'hostie. Oui, c'est ça. Et que ça s'arrêterait une fois que la cérémonie est terminée, quoi. Oui, et ça, c'est pas du tout ce que croyaient les premiers chrétiens, comme l'analyse historique le montre. Hein, il y a une quantité de textes de Saint Ignace, de Saint Irénée, même des premiers pères de l'Église. Il suffit de regarder les pères jusqu'à la fin du IIe siècle, donc quelques années après les apôtres, pour voir que dès le début, les Saint premiers chrétiens Justin, croyaient Saint à la Clément présence d'Aquin, réelle, oui. même avant Saint Augustin. Saint Augustin, c'est au IVe siècle, mais on peut prendre même juste jusqu'au IIe siècle, et à la fin du premier siècle, dans l'épître à Clément de Rome, par exemple, ou même la Didaquée qui date du premier siècle, que les chrétiens croyaient que l'Eucharistie était un sacrifice et qu'il y avait la présence réelle. Et ça, il se fondait aussi sur l'évangile de Jean, parce qu'il suffit de lire le chapitre 6 de l'évangile de Jean, c'est le discours sur le pain de vie. Jésus qui dit « Je suis le pain vivant, quiconque boit mon sang, mange ma chair, a la vie en lui. » Et c'est très clair, hein, je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu, Jean 6, versets 48 à 58, c'est vraiment, on ne peut pas être plus clair. Si l'Église... Et en plus, il y a un argument supplémentaire qui est que, parce que les protestants disent oui, mais c'est une interprétation symbolique, spirituelle, etc. Or, la suite de cet évangile du chapitre 6 de Saint Jean, la fin du chapitre, ce sont les apôtres qui vont dire au Christ, l'évangile dit, les disciples s'en allèrent parce que c'était trop dur à Trop dur entendre. à entendre, Ça veut dire qu'ils ont bien compris que c'était quelque chose de radical. Si c'était simplement spirituel, ils seraient restés là en C'est disant, ça, et bah, très Jésus ne les bien. reprend pas. Jésus ne leur dit pas, mais non, vous m'avez mal compris, je parlais de manière symbolique. Ouais, Non, non, il ne les tu reprend l'as pas, il dit, les je laisse crois. partir. Ouais. Parce Il que... dit même aux apôtres, est-ce que vous aussi vous allez partir? Et Ouais. c'est là où Saint Pierre lui Ouais. répond, vers qui irions-nous, Seigneur? Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. C'est ça. Et donc ça, c'est sur l'Eucharistie, très bien. Et sur le sacerdoce. Sur le sacerdoce, on voit que dès les premiers siècles, les chrétiens ordonnent, ils distinguent le sacerdoce commun des fidèles, qui est notre sacerdoce à nous, c'est-à-dire en tant que baptisé, on doit évangéliser, prêcher l'évangile. Et il y a aussi le Et au sacerdoce sens de la louange aurait dû de être la le louange sacrifice aussi. Ouais. de louange, etc. La prière de n'importe quel chrétien, d'une certaine façon, parce qu'elle rend gloire à Dieu, est une prière C'est une du forme de sacerdoce, sacerdoce, oui. une forme de Mais sacerdoce. dès les premiers siècles, l'Église a distingué le sacerdoce commun des fidèles qu'on a tous et le sacerdoce ministériel qui est réservé à certains qui sont ordonnés pour le royaume des cieux. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit bien qu'il y a certains eunuques qui ont été réservés et préparés pour le royaume des cieux, Matthieu 19, 12. Et même dans le Nouveau Testament, hein, il suffit de lire les épîtres à Timothée, Saint Paul parle clairement de l'ordination sacerdotale à Timothée quand il lui dit « N'impose pas les mains trop vite à quelqu'un ». Donc il y a déjà
cette notion d'ordination épiscopale dans les épîtres à Timothée, dans le Nouveau Testament, donc dans les années 50. Hein, Saint Paul, il écrit ses épîtres à Timothée dans les années 50-60. Et donc, la grâce sacerdotale, elle est déjà présente quand Paul en parle à Timothée, justement. Et puis, dans l'évangile de Saint Jean, avec le récit de la scène, oui. Vous disiez tout à l'heure, le Christ a réservé un certain enseignement à un groupe très particulier qui était les apôtres. Et au moment de la scène, quand il leur dit, quand il prend le pain, la sainte scène du jeudi saint, eh bien, il ne le fait qu'en présence des apôtres, en leur disant, faites ceci en mémoire de moi. Alors que lors de la multiplication des pains, il a annoncé ce mystère de l'Eucharistie, évidemment, à une foule immense. Mais il n'a pas dit à toute la foule, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il fait une distinction très claire dans l'enseignement du Christ entre ce qui est réservé aux apôtres, donc qui vont devenir les évêques et leurs successeurs et les prêtres, etc., et la foule des chrétiens, le peuple des chrétiens qui va recevoir le mystère de l'Eucharistie. Donc, ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire sur les gens pensent que les évêques, c'est une invention complètement tardive de l'Église. En fait, non. Quand on regarde la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, même saint Ignace d'Antioche, il en parle dans sa lettre aux Smyrniotes. Il dit « Suivez tous l'évêque comme on suit Jésus-Christ ». Et il dit « Là où il y a l'évêque, il y a Jésus-Christ, et là où il y a Jésus-Christ, il y a l'Église catholique ». Ça, c'est saint Ignace d'Antioche en l'an 107. L'an 107, c'est juste après la mort des apôtres. Oui. Donc, déjà, il parlait du mot catholique, catholicos en grec, qui était déjà utilisé à cette époque. Et il parle de l'évêque, et il dit évidemment qu'il faut suivre l'évêque. Ce qui veut dire que les évêques existaient déjà au 1er siècle. Ce n'est pas une invention tardive. Alors, deuxième objection qu'on entend souvent de la part des protestants, c'est contre le pape, enfin contre la papauté, disons, et l'infaillibilité pontificale. Alors, on a déjà abordé cette question tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entend souvent les protestants dire que le pape, ce serait la corruption du christianisme, comme si l'Église, c'était une institution qui avait transformé le message du Christ pour la corrompre au profit des puissants et d'une espèce de pouvoir du pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces protestants sur l'existence du pape et sa nécessité pour l'unité de l'Église ? La papauté, elle est biblique, tout simplement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a cité le passage de Matthieu 16, 18. « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais on a aussi l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 31-33, où Jésus dit à Pierre que « J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas ». Ne défaille pas. Donc il y a déjà cette notion de la foi de Pierre ne peut pas défaillir dans l'évangile. Et il dit quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Donc Pierre a ce rôle de confirmer ses frères, d'être le roc sur lequel ses frères pourront s'appuyer. Et donc ça, on le voit dès les évangiles. Et même, comme je le disais tout à l'heure, dans les actes des apôtres, c'est lui qui est le leader tout le temps, tout le temps. Premier chapitre, lisez par exemple les 13 premiers chapitres des Actes, c'est toujours Pierre qui est le leader, c'est Pierre et les autres apôtres, Pierre et ceux qui étaient avec lui. Il y a cette suprématie de Pierre qui est directement présente dans le Nouveau Testament, et effectivement, on sait par la tradition que Pierre a eu des successeurs, et ça n'aurait pas de sens que le charisme qui a été confié à Pierre cesse après. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Jésus a changé le nom de Simon à Pierre, ce qui montre bien que dans la Bible, quand on change le nom, ça veut dire que Dieu offre à une mission. Voilà. Donc, par exemple, Abraham, dans la Genèse, son nom est changé de Abraham sans H avec le Abraham avec un H, donc Genèse chapitre 17, je crois. Et bien, Jésus fait pareil avec Pierre, qui s'appelait Simon, et lui dit « Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et ce changement de nom, ça montre bien qu'il ne s'adresse pas à la personne particulière de Pierre, mais il s'adresse à son charisme, à la mission qui va lui être confiée. Ouais. Et cette mission, évidemment, il faut qu'elle se perpétue jusqu'à la fin des temps, parce que l'Église doit se perpétuer jusqu'à la fin des temps. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est ça. Très bien, puis j'en profite dans ce domaine-là aussi, je vais un peu vite, mais j'ajoute entre parenthèses qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'Église et du pouvoir du pape et des évêques, comme s'il y avait une espèce de secret. Alors évidemment, il y a tout un tas de films, de romans, de trucs qui sont inventés, comme si l'Église avait corrompu la doctrine, avait inventé des choses pour manipuler le peuple, etc. Évidemment, il y a eu des papes mauvais, comme il y a dans le passé, comme il y en a aujourd'hui aussi, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait aujourd'hui. Comme il y a des évêques qui ne sont pas fidèles à leur enseignement, à leur mission de confirmer la foi, de transmettre la foi de façon, euh, de,
sont fidèles. Mais au contraire, moi je pense qu'il faudrait, peut-être qu'on aura d'autres occasions, mais développer le mystère de l'Église et la grandeur de ce que l'Église, comme société humaine, a apporté, l'aspect civilisateur de l'Église qui a accompagné l'évangélisation et le fait d'apporter la foi. Donc non seulement l'Église n'est pas coupable, l'Église est sainte. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut sans cesse rapporter. L'Église est sainte, elle est composée de pécheurs, et parfois de gros pécheurs et de criminels, hein, ça c'est évident, mais l'Église est sainte. C'est-à-dire que son message, sa présence est sanctifiante. Elle est sainte dans sa dimension divine et pécheresse dans sa dimension humaine, parce que bah, l'Église elle est faite d'hommes et les hommes sont pécheurs. Donc il faut bien distinguer la dimension divine et la dimension humaine de l'Église. Quand on dit que l'Église est sainte, elle est sainte en vertu de sa mission qui est d'être l'épouse mystique du Christ, pas en vertu de ses membres, évidemment. On ne dit pas que chacun des membres de l'Église sont saints, ce serait absurde. Non, bien sûr, et quand on entend qu'il faudrait changer les structures de l'Église pour que les hommes deviennent saints, c'est un problème de conception. Au contraire, l'Église est sainte, c'est lorsque les hommes sont fidèles à l'enseignement de l'Église, qu'eux-mêmes peuvent se sanctifier, devenir meilleurs et quitter le péché. Totalement. Argument suivant, qui est l'un des arguments les plus classiques, les catholiques sont idolâtres. Parce qu'ils prient les saints et devant les statues de saints, et donc ils deviennent comme des idolâtres, ce qui est condamné dans l'Ancien Testament, etc. Et en particulier la Sainte Vierge. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la Sainte Vierge une divinité païenne, et donc les catholiques sont idolâtres. Alors, Qu'est-ce qu'on peut répondre? les catholiques sont tout à fait d'accord pour dire que l'idolâtrie, c'est pas bien. Ça a été condamné par Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, on est tous contre l'idolâtrie. Mais c'est là où il faut distinguer le culte au saint et à la Sainte Vierge n'est pas un culte de l'âtrie. On n'adore pas Marie. Évidemment, l'Église est toujours opposée au fait qu'on adore Marie et qu'on adore les saints. Par contre, on peut les vénérer. Et donc, la vénération, c'est justement quelque chose, un grand respect. Quand je vénère quelqu'un, ça veut dire que je le respecte énormément. Et donc, l'Église distingue bien le culte du lit, qui est de vénération, et le culte de l'âtrie, qui est le culte d'adoration. Adoration. Le culte de l'âtrie, il ne revient qu'au Christ seul, parce que le Christ est Dieu. Donc on peut l'adorer. Par contre, les saints, on ne peut pas les adorer, et donc on leur donne un culte du lit, de vénération. Et pour Marie, on va parler d'hyper du lit, parce que c'est la plus grande de toutes les saintes. Mais évidemment, tous les catholiques sont d'accord pour dire qu'on n'adore pas Marie, ça revient qu'à Dieu seul. Donc c'est pas l'idolâtrie. Et lorsqu'un catholique prie un saint, ou devant la statue d'un saint, il n'adore pas le saint comme une divinité, vous venez de le dire, mais il implore la protection, l'aide ou le conseil ou la prière d'un saint comme un intermédiaire qui va le rapprocher du Christ. Voilà, ils demandent leur intercession. Et c'est tout comme je demande à quelqu'un de prier pour moi. Si je dis à mon ami, bah, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Je te confie cette intention. Et ben, je demande son intercession, qu'il intercède auprès du Père pour moi en faisant cette prière. Et ben, c'est pareil avec les saints qui sont vivants au ciel. Et comme ils sont vivants, on peut les prier comme on prierait à un ami, comme on demandait à quelqu'un de prier pour nous. Alors, j'ai entendu ça l'autre jour. Est-ce que ce serait pas mieux d'abandonner le culte des saints et de la Sainte Vierge, justement pour mieux nous entendre avec les protestants? Bah, on ne doit pas relativiser la vérité pour une meilleure entente. On doit toujours rester dans la bonne entente humaine, mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir sur la doctrine catholique qui a été infailliblement enseignée par l'Église. Non, ça serait absurde de dire que l'Église pourrait revenir un jour sur le culte des saints ou le culte de la Sainte Vierge, parce que c'est quelque chose qui a été infailliblement enseigné. Et je pense qu'il y a, bah, évidemment, ça c'est l'aspect négatif, on ne va pas détruire la doctrine sous prétexte d'un faux œcuménisme dont on parlait tout à l'heure, mais d'un autre côté, je pense que le culte des saints, donc c'est ce culte de vénération envers les saints, est aussi très important parce que ça montre que la foi chrétienne est une foi incarnée. Qu'il y a certains de nos prédécesseurs qui ont eu notre âge ou notre situation, ou qui ont habité le même village ou la même région, etc., ou qui ont subi les mêmes tourments, les mêmes épreuves, etc., qui ont été des exemples, qui ont été des modèles et qui nous ont précédés dans le chemin vers Jésus-Christ. Et c'est très important parce que justement c'est une très bonne façon de combattre l'individualisme religieux, donc la religion à la carte que chacun peut s'inventer, dont on parlait encore tout à l'heure et qui est malheureusement souvent le cas chez les protestants. Et donc ce culte des saints est très beau parce que notre religion, le Christ, il n'est pas venu simplement nous dire des choses ou nous donner des préceptes, mais il s'est fait homme, il nous a montré le chemin. Et c'est en ça qu'il est le médiateur.
parce qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc les saints que l'on vénère, eh bien à leur tour, ils sont médiateurs entre nous et l'unique médiateur qui est le Christ. Oui, et quand l'épître à Timothée dit qu'il n'existe qu'un seul médiateur, souvent les protestants ils objectent en disant bah, regardez, vous priez les saints, mais la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur. Bah, en fait, ce qu'il faut leur répondre, c'est que saint Thomas, il répondait déjà dans la Somme, un seul médiateur, c'est un seul médiateur pour nous sauver dans l'ordre du salut. Le Christ est le seul médiateur, parce que c'est lui qui est pleinement Dieu, pleinement homme, et donc c'est que lui les qui peut... Les saints ne sauvent pas. Les saints ne nous sauvent pas. Exactement. La Vierge Marie ne nous sauve pas. Le salut vient de Jésus-Christ seul. Ça, c'est très important de le rappeler, parce que il peut y avoir des catholiques qui ont une vision de Marie qui est erronée et qui pensent qu'on peut aussi adorer Marie. Alors ça, c'est faux. L'Église n'a jamais enseigné ça et n'enseignera jamais ça. Voilà. Donc un seul médiateur... au niveau de la dimension salvifique, ça c'est sûr. Bon, le cas de la Sainte Vierge est quand même très intéressant, parce que très particulier, parce que on l'a appelée, ou on peut l'appeler co-rédemptrice, dans le sens où toute grâce de rédemption passe par elle, puisque c'est elle qui a donné le Christ au monde. Alors, dans l'ordre humain, oui. c'est donc dans l'ordre de la grâce aussi, toute grâce passe par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Alors évidemment, c'est... Oui. Le catholique n'adore pas la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'est pas rédemptrice, mais elle est associée à toute l'œuvre rédemptrice du Christ. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a coopéré à la rédemption par son oui, par son fiat. Mais donc, le terme de co-rédemption, moi je l'aime pas trop parce qu'il pourrait sous-entendre auprès des protestants que Marie aussi est à l'initiative de la rédemption. Et donc, même si le terme n'est pas faux quand il est bien défini, parfois il peut donner une mauvaise impression aux protestants qui l'entendent pour la première fois. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser. Et d'ailleurs, Benoît XVI et François ont été un peu réticents sur l'utilisation de ce terme, même si Jean-Paul II était plutôt favorable. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que, enfin chez les catholiques, que Marie a coopéré à la rédemption par son oui, de la même manière que nous aussi on coopère à notre rédemption en acceptant librement la grâce qui nous est donnée. Donc sous une certaine manière, ça nous fait de nous des co-rédempteurs. Mais parce que dans le cas de la Sainte Vierge, c'est quand même bien plus que ça. Oui, parce que elle est la co-rédemptrice suprême, bien sûr. Oui, parce que toute grâce, étant donné que toute grâce vient du Christ, et que le Christ nous est donné par la Sainte Vierge, du coup toute grâce aussi nous est donnée par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Bon, on peut dire que c'est des points, on peut discuter du terme, de l'emploi d'un terme, etc. Alors, avançons sur une autre, justement on parle de la Sainte Vierge, les protestants sont très opposés à ce qu'on appelle les dogmes mariaux, l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc. Il y en a quatre. Il y en a quatre, la maternité divine, la virginité perpétuelle, l'Immaculée Conception et l'Assomption. C'est les quatre dogmes que l'Église enseigne sur Marie. Voilà. Et donc qu'est-ce que répondent aux protestants ? Les protestants en général sont prêts à reconnaître que Marie est théotokos, c'est-à-dire qu'elle est mère de Dieu, quand le concept est bien défini. Évidemment que Marie n'est pas mère de Dieu dans son éternité, c'est pas elle qui a engendré Dieu dans son éternité, parce que c'est une créature terrestre. Mais elle est mère de la personne du Christ, qui est Dieu fait homme. Donc, sous un certain rapport, on peut dire qu'elle est mère de Dieu. Oui, parce que c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. C'est-à-dire que la Vierge Marie, elle est la mère de Jésus. Or, Jésus est Dieu. Donc Marie est mère de Dieu. Voilà. Et c'est ce que dit l'Évangile de Luc. Comment la mère de mon Seigneur est venue à moi. Voilà. Donc, c'est dans l'Évangile. Marie est mère de Dieu. En général, les protestants, si on leur explique bien ce qu'on entend par là, ils sont d'accord. Le terme... apparaît au concile d'Éphèse, oui, en 431, 431, oui. Voilà, et qui est le premier concile, disons, qui définit la Vierge, ce terme pour la Vierge Marie, en disant qu'on peut dire, il est tout à fait légitime de dire qu'elle est mère de Dieu. Ouais. Voilà. Et après, il y a le dogme de la virginité perpétuelle, c'est-à-dire que Marie, elle était non seulement vierge quand elle a engendré Jésus, mais que derrière, elle est restée vierge toute sa vie, qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec Joseph, et qu'elle était perpétuellement vierge. Et ça a été dogmatisé par l'Église, je crois que c'est au premier concile de Latran, au 7e siècle. Mais c'était mentionné, évidemment, avant, implicitement. Donc voilà, ça c'est un autre dogme, c'est que Marie est restée perpétuellement vierge. Et après, il y a l'Immaculée Conception et l'Assomption. Je rebondis là-dessus, parce que certains disent, oui, l'Évangile parle des frères et sœurs du Seigneur. Et bon, la réponse, elle existe déjà chez les pères de l'Église qui depuis longtemps répondent à cette objection en disant lorsqu'on parle des frères du Seigneur, en fait, ce sont les cousins.
C'est-à-dire que c'est un terme qui est Cousin ou utilisé. demi-frère, parce que chez les pères de l'Église, il y a un débat pour savoir si est-ce que Joseph aurait eu un premier mariage avant avec une femme et qu'il aurait eu des enfants et il serait devenu veuf à la mort de celle-ci. Ouais, je crois que c'est Et très particulier comme opinion, ça. il L'opinion y a des pères de l'Église qui l'ont générale. défendu, et c'est dans le proto-évangile de Jacques, par exemple. Et c'est grâce au proto-évangile de Jacques qu'on sait que les parents de Marie s'appellent Joachim et Anne. Donc on ne peut pas dire que c'est un texte complètement qui n'a aucune valeur historique. Et il date du 2e siècle d'ailleurs. Donc il y a des pères qui adhèrent à cette thèse, et la thèse la plus répandue dans l'Église latine, c'est la thèse de Saint Jérôme, selon laquelle les frères de Jésus mentionnés dans l'Évangile seraient en réalité des cousins, parce que adelphos en grec, ça peut vouloir dire frère de sang, mais ça peut vouloir aussi dire cousin. Et donc c'est un terme qui est Oui, souple. il y a même des cultures aujourd'hui, je me souviens en Afrique, il y a des cultures entières où on l'appelle frère, toute la famille au sens très large, Oui. des cousins, etc. Donc c'est pas du tout choquant que ce terme, enfin c'est pas du tout un argument suffisant pour dire que la Sainte Vierge aurait eu d'autres enfants. Oui. Et d'ailleurs, on peut dire que si Marie avait eu d'autres enfants, eh bien, au moment de la croix, quand Jésus confie Marie à Saint Jean, quand il lui dit « Voici ta mère », eh bien, si Marie avait eu d'autres enfants, ça aurait été plus logique dans le contexte d'une famille juive de confier ben, justement la mère aux autres frères, Bien sûr. plutôt qu'à un étranger, Saint Jean. Donc ça, ce signe-là, l'Église l'a pris historiquement comme étant un signe de la virginité perpétuelle de Marie. Le troisième dogme marial, parce qu'on a dit donc le L'Immaculée Conception. Théotokos, la virginité perpétuelle, donc l'Immaculée Conception, C'est et le quatrième, l'Assomption. l'Assomption. Voilà. Donc juste, on a déjà abordé ces questions tout à l'heure. Justement, ce qui est très important, c'est que ce ne sont pas des dogmes nouveaux. Dans le sens où ce ne serait pas l'Église qui aurait ajouté un contenu à la foi. C'est-à-dire que la tradition de l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. C'est-à-dire que tout est contenu dans la Sainte Écriture et dans l'enseignement des apôtres. Néanmoins, le rôle justement de la tradition et de l'autorité du magistère de l'Église, c'est de mettre l'accent sur tel ou tel aspect, de développer tel ou tel accès qui est déjà contenu dans la révélation, évidemment, soit pour répondre à une erreur, par exemple contre Luther, contre les pseudo-réformateurs qui ont nié la réalité de l'Eucharistie ou du sacerdoce, etc., soit pour insister sur un point positivement de la foi, parce que, comme dit... Par exemple, Pie IX pour l'Immaculée Conception, ça a été de toutes parts du monde m'arrivaient des réclamations d'évêques me demandant de proclamer cette vérité crue par tous depuis toujours, mais qui n'avait jamais été explicitée de façon dogmatique. Voilà. Disons que les pères de l'Église, dès le début, croyaient que Marie avait été préservée du péché originel. Et la question qui a été débattue, c'était est-ce que cette préservation du péché originel chez la Sainte Vierge avait eu lieu au moment de sa conception ou après? Et il y en a pas mal qui ont opté pour une préservation du péché originel après la conception, mais en général, tout le monde était d'accord pour dire que Marie n'avait jamais péché sur sa vie terrestre, qu'elle était exempte de tout péché. Et donc, la tradition de l'Église, elle est très claire sur ce point. Et donc, la question qu'il fallait trancher, bah, c'est est-ce que cette préservation avait eu lieu au moment de la conception? Et ça, Pie IX l'a tranché en 1854. Mais la question de la pureté mariale, elle était présente dans la tradition avant. Oui, c'est souvent parce qu'il y a eu un débat, justement, Saint Thomas d'Aquin, justement, n'a pas la même opinion que Duns Scot, par exemple, sur cette question au XIIIe siècle. Alors, enfin, on entend des gens dire, oui, Saint Thomas d'Aquin était contre l'Immaculée Conception, mais non, c'est-à-dire que Saint Thomas d'Aquin n'était pas contre l'Immaculée Conception. La question était, il fallait que la Sainte Vierge, elle aussi, puisqu'elle était tout à fait un être humain, il fallait qu'elle soit sauvée aussi par le Christ. La Sainte Vierge a été sauvé par le Christ, puisqu'il est l'unique rédempteur universel. Alors ça répond aussi à l'objection dont on parlait tout à l'heure. Et la solution que n'avait pas proposée Saint Thomas d'Aquin, et qui a été proposée plutôt Don par Scott. le courant franciscain et Duns Scot, c'est de dire que c'est en étant préservée qu'elle a été rachetée. C'est parce qu'elle a été rachetée par le Christ que dans sa conception, elle a été préservée. C'est ça, et donc l'Église, elle enseigne que Marie a été sauvée par anticipation Voilà. de la Mais elle a croix du été Christ. sauvée. Elle a été sauvée du péché originel. C'est ça. Elle a Et été Duns sauvée Scott comme donne une analogie et il dit, il y a deux manières de sauver quelqu'un. Donc imaginez qu'il y a un trou et que vous avez un enfant, il tombe dedans, bah, vous pouvez hop, prendre la main, le sortir du trou. Là, vous l'avez sauvé. Et vous pouvez aussi tout simplement boucher le trou avant que l'enfant puisse tomber dedans. Et bah, c'est ce qui s'est passé pour Marie. Le trou a été bouché avant qu'elle puisse hériter du péché originel. Et donc, dans les deux cas, elle a quand même été sauvée. Exactement. Voilà.
Passons à à une autre question que posent les protestants, la question du baptême des enfants. Ils disent, oui, mais l'Église catholique a inventé ça pour faire je sais pas, pour manipuler les enfants, etc. Alors qu'en fait, il faudrait être baptisé uniquement en étant adulte. Oui, bah alors déjà c'est pas tous les protestants, mais il y a une divergence sur cette question chez les protestants. Beaucoup de protestants sont favorables au baptême des enfants. Par exemple, les luthériens, les protestants traditionnels, ne se sont pas opposés au baptême des enfants. Luther et Calvin étaient favorables au baptême des enfants. Ça, c'est quelque chose d'assez moderne, le fait de vouloir attendre l'âge adulte avant de se faire baptiser. C'est la querelle entre les baptistes et les anabaptistes sur le fait que bah, il fallait attendre l'âge adulte ou non. Et en fait, les premiers chrétiens, là on revient à ce que croyaient les premiers chrétiens, parce que nous on a envie de croire ce que croyaient les premiers chrétiens. Et ben les premiers chrétiens, ils baptisaient leurs enfants. Dans les Actes des Apôtres, acte 16, il y a des familles entières qui sont baptisées. Les apôtres vont baptiser des familles entières. Dans les familles, il y a des enfants. Donc, par implication logique, il y avait des enfants qui étaient baptisés. Mais surtout que les pères de l'Église, dès le début, dès le 2e siècle, hein, juste après la mort des apôtres, paf, ils baptisaient les enfants, ils baptisaient les enfants. Et la tradition est unanime sur ce point. Je n'ai pas trouvé un seul père de l'Église qui a nié le fait La la nécessité nécessité de du baptême des enfants. C'est quelque chose d'hyper, hyper tardif. Donc, soit l'Église universelle s'est trompée pendant 1700 ans, 1600 ans. Soit bah, les premiers chrétiens avaient raison depuis le début et c'est bien de baptiser les enfants. Et alors pourquoi est-ce que l'Église baptisait les enfants? Tout simplement parce que le baptême efface le péché originel. Et donc quand on a un enfant qui est atteint d'une maladie qui est la faute originelle dont il hérite à la naissance, enfin dès sa conception, et ben, ça c'est absurde d'attendre qu'il ait l'âge adulte pour lui enlever cette maladie spirituelle qui est le péché originel. Et c'est pour ça que l'Église, dès le début, a dit non, il faut baptiser les enfants parce que bah, le baptême, c'est ce qui permet de donner le salut. Jean 3,5, si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et donc l'Église a toujours interprété Jean 3,5 justement comme étant un appel à la nécessité du baptême. Voilà. Donc ça n'a aucun sens d'attendre l'âge adulte avant de se faire baptiser. C'est comme ça serait absurde de refuser à un enfant de lui donner un médicament en lui disant mais non, il faut attendre qu'il ait l'âge mûr pour pouvoir prendre ce médicament lui-même. Voilà. Non, et en plus, on le voit aujourd'hui, malheureusement, des générations entières qui, sous prétexte de liberté, de choix personnel, n'ont pas enseigné la foi à leurs enfants ou les ont pas fait baptiser, en disant ils choisiront quand ils seront grands, ils choisiront quand il a 18 ans. Alors, déjà, si on sait ce que c'est que le baptême, effectivement, c'est ce qui nous soigne d'une maladie, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça pour les autres maladies, heureusement qu'ils n'ont pas attendu que l'enfant ait 18 ans pour pouvoir lui donner à manger aussi. Et donc, si on voit l'importance du baptême, si on est véritablement chrétien, on comprend qu'il faut baptiser les enfants dès que possible. Et puis, malheureusement, trop souvent, ceux qui ont dit dans les années 60, 70, j'attendrai que mes enfants soient majeurs pour qu'ils choisissent par eux-mêmes. En fait, ça n'a pas de sens, à moins d'enseigner la foi et d'enseigner ce qu'est le catéchisme. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui n'a reçu aucune formation, aucun enseignement, pourrait-il choisir? C'est-à-dire que c'est complètement contradictoire et c'est simplement en général malheureusement, de l'indifférence envers la foi et l'importance de la foi, l'importance de la grâce. Et du coup, enfin, c'est un manque de connaissance soi-même de l'importance des sacrements. Et d'ailleurs, c'est tellement important que dans les mariages, l'Église demande à ce que le couple s'engage de faire baptiser leurs enfants dès qu'ils en auront. Et d'ailleurs, dans les cas de mariage mixte, donc par exemple, si un catholique épouse une protestante baptiste, par exemple, eh ben, il ne peut pas y avoir de mariage si les deux ne s'engagent pas à faire baptiser leur enfant et au moins la partie catholique lui enseigner la foi catholique. Et s'il n'y a pas ces deux conditions qui sont remplies, le mariage ne peut pas être célébré. Ah oui, c'est ça. Évidemment, le baptême de l'enfant ne dépend pas de la qualité des parents, Bien sûr. même pas de leur foi personnelle. Mais pour que l'enfant soit baptisé, il faut que le prêtre s'assure, le curé responsable s'assure que l'enfant sera bien éduqué de façon chrétienne. Ce sera pas parce qu'autrement, ça ferait quelqu'un qui a été baptisé qui sera apostat parce qu'il n'aura pas reçu la formation intellectuelle nécessaire. C'est ça. Dernière objection de nos amis protestants, la question du purgatoire. Souvent, on entend dire, oui, le purgatoire, c'est l'Église qui a inventé ça au XIIe siècle pour faire peur aux gens et les menacer de l'enfer, pour que les gens soient soumis à l'autorité de l'Église.
Oui, des grands méchants prêtres. tout ça, c'est des légendes noires, elles sont fausses, hein. L'idée du purgatoire de purification des morts, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46, il est bien dit qu'il y a des prières qui ont été offertes pour les morts et pour voilà, donc, cette notion de purification post-mortem qui avait lieu, qui était crue par, par les Juifs. Et aussi, Saint Paul, il en parle dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 3, 15, où il dit que certains sont morts, ont été purifiés par le feu. Il y a cette notion de purification par le feu chez Saint Paul. Et donc purifié par le feu, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une purification après la mort qui a lieu pour ceux qui sont morts avec des péchés sur eux. Avant de rentrer au ciel, on a tous envie de rentrer pur au ciel. Parce que rien d'impur ne rentrera au ciel, c'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Mais si rien d'impur rentre au ciel, ça veut dire que pour rentrer au ciel, il faut qu'on soit pur. Sauf que comme nous, on meurt beaucoup, enfin souvent en état d'impureté, bah, il faut qu'il y ait une transition de purification qui ait lieu. Et d'ailleurs, la notion de purgatoire, même dans les évangiles, on peut la déduire parce que Jésus dit que il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans ce monde et dans l'autre. Et on sait que au paradis, bah, les péchés, ils auront déjà été pardonnés. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi un autre lieu qui n'est pas ce monde où les péchés peuvent être pardonnés. Donc ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, sur cette notion de ces péchés qui seront pardonnés dans ce monde et dans l'autre. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un fondement biblique au purgatoire et que cette croyance, elle est aussi issue de la tradition de l'Église. Donc on a à la fois la complémentarité de l'Écriture et de la tradition qui enseigne qu'il y a une purification post-mortem qui a lieu. Très bien, alors il est temps de conclure. Ma conclusion, ce sera encore une fois un peu une provocation, c'est du coup les protestants, ils vont en enfer. S'ils ont toutes ces erreurs et qu'ils font, ils sont infidèles au véritable enseignement du Christ, et comme on dit dans l'Église, hors de l'Église, point de salut. Alors, il faut faire très attention avec cette phrase parce qu'elle est très, elle est parfois mal comprise. Quand l'Église dit hors de l'Église, point de salut, elle ne dit pas que tous ceux qui ne professent pas explicitement la foi catholique vont être ipso facto damnés. Non, ça serait absurde. Un Dieu d'amour ne peut pas damner des gens qui sont de bonne volonté et qui cherchent honnêtement la vérité selon leur conscience. Donc si un protestant est ignorant de la vérité et qu'il est de bonne volonté, qu'il cherche honnêtement le Christ, la vérité, et qu'il cherche à s'y conformer comme il le peut, eh ben, l'Église considère qu'il fait partie implicitement de l'Église catholique. Il est uni par son désir, par sa bonne volonté, à l'Église catholique. Et donc, il est sauvé, mais à travers l'Église catholique et malgré sa fausse religion qu'est le protestantisme. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on distingue bien l'appartenance de cœur et ce qu'on professe explicitement. Voilà. C'est en ce sens que c'est très juste. Je pense qu'il faut retrouver ce dogme de la foi qui dit hors de l'Église, point de salut. Bien sûr, il faut bien l'entendre. Il faut bien l'entendre. Mais même un païen, un musulman qui peut aller au ciel aussi, par sa bonne volonté, son obéissance à la loi naturelle, son désir d'être sauvé par Dieu, même de façon vague, sans savoir, sans connaître le Christ, parce qu'il aurait une connaissance implicite, donc dire que c'est un baptême de désir implicite, c'est-à-dire que s'il avait reçu la connaissance explicite de la foi, il l'aurait accepté, c'est et c'est ça qui le sauve de façon, c'est ça qui fait qu'il est sauvé par le Christ implicitement, mais parce qu'il est sauvé par le Christ, il est aussi sauvé par l'Église. Et donc, il n'y a personne qui va au ciel en dehors de l'Église. Oui. Parce que tous ceux qui sont sauvés, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou protestants, eh bien, ne peuvent aller au ciel que par l'Église. Oui. Donc, c'est très important de ne pas oublier ça, parce que, justement, dans le faux œcuménisme qu'on dénonçait tout à l'heure, il y a un peu cette indifférence, comme si les protestants, comme si chacun se sauvait soi-même, et qu'en fait, l'Église ne serait qu'une structure humaine qui serait venue se surajouter à ma relation personnelle avec Dieu, oui. Comme une annexe, un peu un truc administratif pour organiser les choses. Mais pas du tout, c'est-à-dire que l'Église, comme dit le Bossuet, le grand évêque de Meaux, il dit l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est la présence de l'Église aujourd'hui. Par les sacrements, par l'enseignement de la foi, c'est la façon que nous avons, que Dieu nous donne, d'être sauvés, puisque c'est par l'intermédiaire de l'Église que nous accédons au salut. C'est-à-dire qu'à travers le Christ présent dans son enseignement, dans sa grâce, etc. Oui.
Totalement d'accord. Et d'ailleurs, Vatican II rappelle ce dogme hors l'Église, point de salut, en donnant justement cette interprétation subtile dans la Constitution Lumen Gentium au paragraphe 14. Et il affirme bien que, en fait, ceux qui, sans faute de leur part, ignoraient l'évangile du Christ et son Église, mais qui étaient de bonne volonté et qui étaient prêts à devenir catholiques s'ils en connaissaient la nécessité, eh ben, ces gens-là peuvent être sauvés. Voilà. Donc c'est important de bien nuancer l'interprétation de ce dogme et de ne pas balancer à des protestants hors de l'Église point de salut sans aucune explication, parce que c'est pas, comment dire, ça peut les braquer et c'est pas quelque chose de positif, hein. Ça peut porter à confusion. Oui, ceci dit, je pense que c'est aujourd'hui le plus dans le un défaut un peu trop répandu dans l'Église, c'est de ne pas oser affirmer l'enseignement de la foi, de ne pas oser sous prétexte de pas choquer, sous prétexte de pas. Je pense qu'il faut mieux dire la foi et la vérité, comme je C'est disais tout ça, à mais il ne faut l'heure. pas la balancer comme ça sans Il aucune faut explication. l'expliquer, il faut Mais voilà. l'expliciter, la rendre aimable. Oui. On ne tire pas des mouches avec du vinaigre, ça C'est c'est ça. sûr. Donc il faut rendre aimable la vérité et il faut aimer les personnes. Et il faut enseigner non pas pour se faire plaisir, et par orgueil, en disant j'ai la vérité de l'orgueil, j'ai l'orgueil de posséder la vérité, pardon, mais au contraire, enseigner la vérité par charité, pour amour, pour l'amour des autres, pour vouloir qu'ils soient eux aussi unis de la façon la plus parfaite à l'enseignement que seul le Christ est capable de nous donner. Totalement d'accord. Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à Je vous. pense qu'il était très, très, très riche, avec beaucoup, beaucoup d'arguments, etc. Évidemment, on pourrait les développer, nos amis protestants sûrement voudront les creuser un peu. Et donc, j'invite ceux qui veulent à lire votre ouvrage, la troisième partie donc de votre livre qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique, et donc qui développe ses arguments, qui répond aux objections, etc., pour montrer la véracité de l'enseignement de la foi catholique. C'est ça, bah merci beaucoup.